9 signes pour identifier un accident vasculaire cérébral. Signe numéro 1. Relâchement soudain du visage. Le visage se paralyse et la bouche dévie. Test. Demandez à la personne de sourire ou de tirer la langue. Observez s'il y a une asymétrie faciale. Signe numéro 2. Paralysie d'un bras ou d'une jambe. Test. Dans le cas des bras, demandez à la personne de serrer vos mains. Et vérifiez si la pression est moins forte d'un côté. Signe numéro 3. Trouble de la parole. La personne souffrante ressent des difficultés à parler ou à prononcer les mots normalement. Elle peut aussi avoir des difficultés à comprendre son interlocuteur. Test. Posez-lui des questions pour déterminer s'il y a une altération du langage. Signe numéro 4. Trouble de la vue. Une perte soudaine de vision d'un œil. Une vision dédoublée. La moitié du champ visuel altéré sont autant de symptômes qui peuvent révéler la manifestation d'un accident vasculaire cérébral. Signe numéro 5. Mal de tête intense et atypique. Des maux de tête très violents et sans cause apparente peuvent parfois être accompagnés de nausées et de vomissements. Signe numéro 6. Trouble de la sensibilité. Une partie du corps est comme anesthésiée. Il n'est plus sensible au contact, à la douleur ou à la chaleur. Signe numéro 7. Sensation de vertige. Un accident vasculaire cérébral peut être responsable d'une perte d'équilibre et occasionner une chute. Signe numéro 8. Somnolence ou coma. Un coma causé par une apoplexie accompagne généralement un accident vasculaire cérébral hémorragique. Signe numéro 9. Le hoquet. En cas d'AVC, le hoquet peut être soudain et prolongé, ce qui arrive en général plus souvent chez les femmes. Le centre de respiration dans le cerveau est touché et votre diaphragme n'est plus contrôlé. Petite précision. Lors d'un AVC, on n'observera pas forcément tous ces signes en même temps. Il faut rester vigilant sur un signe inhabituel. Tout doit donc être fait pour réduire le temps écoulé entre les premiers signes et la prise en charge destinée à désobstruer l'artère touchée. Agir vite, c'est très important. Appelez le 15.